Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale « Comment booster votre testostérone ?» Naturellement, 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Conseil du jour, arrêtez le café, ou pas. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en attendant, jingle. Donc la caféine booste la testostérone. Qui aurait pensé que la caféine et la testostérone auraient un rapport? Donc une dose de caféine qui est prise une heure avant l'entraînement augmenterait légèrement le taux de testostérone. Les chercheurs de Nouvelle-Zélande ont effectué des tests sur des rugbymen allant de sur des dosages de 200 à 800 mg. Une tasse de café, c'est 100 mg, les amis. Donc c'est quand même des doses importantes. Donc ceux qui n'avaient rien pris ont augmenté leur taux de testostérone après l'entraînement d'environ 15%, et ceux qui ont pris de la caféine en plus avaient une testostérone supérieure à hauteur de 1 à 5% en plus. Autant dire, pas grand-chose. Ceci dit, ça augmente. Sauf que, il y a eu également à côté une hausse du cortisol, et pas de 5%. En général, le cortisol a augmenté de 52%. Donc en fait, la mesure qui a été faite après l'entraînement, entre la testostérone et le cortisol, montrait un marqueur pour l'anabolisme dans le corps. C'est quelque chose d'un peu compliqué, je ne développe pas, mais qui était 14% inférieur à la suite de prise de caféine. Ce qui veut dire qu'au final, on aurait moins de testostérone ou plus de cortisol après l'entraînement à cause de la caféine par rapport à un training sans rien. Cette étude, en fait, trouve sa limite pour moi dans le fait que je n'ai pas toutes les données. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de séances test ont été effectuées pour valider ces pourcentages. Et en tout état de cause, on peut en conclure quand même que le cortisol et le café font bon ménage. Mon conseil. Prenez votre café normalement si vous en consommez. Mais ne forcez pas le trait. Faire augmenter aussi fort le cortisol, c'est aux antipodes de ce qu'on souhaite. Du coup, attention à vos boosters qui généralement contiennent déjà 200 mg de caféine par dose. Et encore si vous respectez les doses. C'est tout pour aujourd'hui. Sous la vidéo, vous trouverez le lien pour un programme gratuit. Comment entraîner les dorsaux malgré des problèmes lombaires. Et si vous n'avez pas de soucis au niveau des lombaires, ça peut aider un de vos amis ou même vous permettre d'utiliser des exercices différents de ceux que vous utilisez habituellement. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage, les amis. Et donc, partagez-la si elle peut aider quelqu'un autour de vous. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.